Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Textile et Chemin de vie. On se retrouve pour le tirage des énergies des signes astrologiques du mois d'octobre 2019 et ce tirage va concerner nos amis Lion. Comme d'habitude, vous pouvez également consulter votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'interprétation. Donc j'ai pris une carte des animaux guides, une autre de l'oracle des symboles de vie. Pour le tarot, j'ai choisi le tarot des sorcières. Pour la synthèse, les portes de l'intuition et un message de vos anges. Alors, pour vous, Lion, l'animal qui vous accompagne durant ce mois d'octobre est le porc-épic. Enthousiasme, spontanéité, optimisme aident à retrouver son insouciance et son âme d'enfant. D'accord. Donc, pour vous, Lion, ce mois d'octobre, pardon, va être placé sous l'insouciance, avoir aussi un regard neuf par rapport à votre vie, par rapport à une situation, votre situation actuelle, personnelle, professionnelle ou autre, familiale également. Retrouver une certaine légèreté de vie, un regard neuf aussi, comme un enfant qui a un nouveau regard sur la vie, qui fait ses expériences de vie, qui découvre aussi. J'ai ce mot découverte aussi qui me vient à l'esprit. Donc, redécouvrir un petit peu de nouvelles facettes, de nouvelles choses dans votre vie. Avec l'oracle des symboles de vie, la famille. D'accord. Bah, peut-être aussi profiter de votre famille. Alors, si vous avez des enfants que vous vous reconnaissez hein, dedans, profitez de vos enfants. Mais aussi, ce qui est intéressant dans cette carte, là, on voit le personnage à un costume, enfin un costume pour des vêtements d'époque, hein, années fin 1800, 1900. Peut-être aussi voir avec vos ancêtres, vos liens familiaux avec vos ancêtres, vous reconnecter peut-être à certains membres de votre famille, vivants ou non aussi, hein, parce que pour moi, voilà, il y a cette notion de temps aussi. Ouais, de retrouver peut-être de pouvoir justement pour mieux comprendre certaines choses dans votre vie actuelle et avoir apporté un regard neuf par rapport à votre vie actuelle. On va en savoir plus un petit peu avec le tarot. Donc nous avons le 7 de denier avec le 6 de denier. D'accord. Alors, il y a le côté matériel là, qui ressort du coup dans le tarot. J'ai cette notion de patience. Ce que vous attendez va arriver. Le 6 de denier, là, pour le coup, est bien représenté. C'est quelqu'un qui fait une offrande à des enfants. Donc, c'est comme si vous attendiez quelque chose dans votre vie. Vous avez mis en place des projets. Alors, pour moi, le denier, c'est au niveau concret et au niveau matériel de votre vie. Et là, vous attendez que peut-être de récolter ce que vous avez semé. Vous attendez quelque chose. Alors, peut-être, je ne sais pas, je cite un exemple concret, c'est-à-dire que vous avez fait un dossier administratif pour monter une association, vous attendez la réponse de la préfecture, admettons, et cette réponse va arriver. C'est comme un cadeau parce que ça va vous permettre d'ouvrir cette association. Vous voyez ce que je veux dire? Donc essayez de le transposer à une situation actuelle hein, dans le domaine de votre vie. Pour moi, c'est un aspect matériel de votre vie. Hein. Donc, mais ça peut être aussi si vous êtes en couple, vous avez acheté une maison, vous attendez la réponse de la banque. Donc la réponse va arriver. Et pour moi, d'une manière positive, parce que pour moi, le 6 de Pentacle, là, c'est le cadeau tombé du ciel quelque part, ou une aide extérieure. Ça peut être aussi une aide extérieure qui va décanter la situation. Et après, pour moi, c'est comme c'est une carte de la patience, c'est pas. Vous êtes dans l'attente, mais dans une attente plutôt positive, hein, si vous voulez. Vous savez que ça va arriver, voilà. Vous savez que ça va arriver, voilà. Il y a juste, voilà, ce début octobre. Vous savez que vous devez patienter, mais que ça va arriver et que c'est une aide extérieure qui va vous permettre d'évoluer ou d'avancer. Courant octobre, vous avez l'empereur, accompagné du 10 de coupe. Donc il y a cette notion de famille.
Donc peut-être ce que vous avez mis en place matériellement, hein, ça. Bon, je citais l'exemple hein, d'acheter un bien immobilier, hein, donc c'est peut-être ça. En l'occurrence, en tout cas, ça a des conséquences positives sur votre famille. Avec l'empereur, on vous demande aussi de mettre en place peut-être des règles, ou peut-être vous avez la sensation avec le 10 de coupe, cette sensation que vous maîtrisez tout, que tout va bien dans le meilleur des mondes, j'ai presque envie de dire, aussi bien au niveau familial qu'au niveau professionnel, qu'au niveau concret de votre vie. Vous sentez posé, peut-être pas forcément détendu avec l'empereur, parce que l'empereur, il garde un œil vigilant, hein. C'est quelqu'un de très concret, de très qui a mis tout en place justement pour avoir une certaine qualité de vie, on va dire. Et avec ce 10 de coupe, bon, bah, j'ai cette notion, ouais, de sentiment d'accomplissement, d'évolution aussi dans votre vie familiale, comme si vous aviez tout mis en place pour que votre situation personnelle et professionnelle, que tout s'imbrique de manière harmonieuse dans votre vie et que ça évolue dans le bon sens. Donc, j'ai cette notion d'évolution. C'est peut-être pour ça que vous avez le porc-épic aussi, parce que l'empereur, je dis toujours, il peut être un petit peu trop rigide. Donc peut-être apporter un petit peu de légèreté dans votre vie, d'avoir un regard un petit peu plus insouciant. Rassurez-vous, tout va bien, vous avez tout mis en place. Et avec cette carte de la famille, bon là, voilà, la carte, elle est harmonieuse, elle a des couleurs pastel, des couleurs douces. Donc j'ai l'impression que les choses vont bien, aussi bien pour vos enfants si vous avez des enfants, mais que même vous ayez ce regard un peu plus insouciant, on va dire, parce que bah, apparemment les choses vont, en tout cas durant ce mois d'octobre, les choses vont dans le bon sens vous concernant à million. Ensuite, d'ici fin octobre, bah, le 8 de denier, hein. Alors il y a beaucoup de deniers chez vous à million, j'ai l'impression. Oui, il y a beaucoup de deniers. Et 10 de denier. Et alors, j'ai cette notion de famille qui revient là. On voit le chien, le couple, le papy qui tient le bébé et tout. Pour moi, il y a tous les aspects matériels de votre vie. Vous avez travaillé, vous avez fait le nécessaire pour assurer un confort de vie pour votre famille. Alors, famille au sens large, c'est-à-dire que vous soyez marié ou non, mais que le nécessaire a été fait en plus. On avait le 7 de Pentacle, le 8 de Pentacle. Les choses vont se décanter, vont évoluer d'une manière fructifiante, j'ai envie de dire. En tout cas, matériellement, concrètement. En plus, avec le 10 de coupe, le côté émotionnel. Donc, vous allez vous sentir stable à tous les niveaux, hein, je vois, avec l'empereur. Et avec ce 10, vous avez quand même deux 10 dans votre... ouais, deux 10. 10 de coupe, 10 de denier. Donc, c'est... Pour moi, c'est comme si vous allez vers une évolution de vie, mais logique. Puisque vous avez fait le nécessaire, soit ces dernières semaines, voire ces dernières années, et durant ce mois d'octobre, ouais, vous aurez ce sentiment de vraiment que ouais, j'ai pérennisé un petit peu ma situation à tous les niveaux, que ce soit à titre personnel et ou professionnel, pour que les choses, enfin, vous puissiez peut-être un petit peu en profiter. J'en reviens encore au porc-épic et la carte de la famille. C'est peut-être pour ça que là, les énergies vous disent, bah, il y a tout va bien. Donc, profitez-en durant ce mois d'octobre pour profiter un petit peu de tout ça. Profitez-en pour... Je me répète, hein, désolée. Mais voyez où je veux en venir, c'est oser en profiter, oser savourer tous ces moments de bonheur qu'il peut avoir dans votre vie. Et... Toutes générations confondues, parce que je vous disais à un moment donné aussi de vous relier aussi à vos ancêtres, hein, parce que là je vous disais on revoit le papy, il y a cette notion de famille qui revient, donc ça peut être la famille terrestre, hein, bien sûr, mais comme votre famille spirituelle, à vous de voir. Pour faire une synthèse de tout ça, oh la perle, mais oui, vous êtes une perle, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Bah voilà, bah d'accord, je comprends mieux. Les deux 10 là, profitez. J'ai l'impression que pour vous, à Mignon, ce mois d'octobre est plutôt cool, hein, ça va. Donc tout va bien, profitez-en. Ça arrive, tout, voilà, ça arrive. Et puis, parce que vous avez fait le nécessaire, vous pouvez être fier de vous d'ailleurs, à Mignon.
Et donc, bah, pour vous aider à savourer tout ça, ah, l'animal totem intéressant, bah, c'est le porc-épic. Merci, royaume animal, de remplir ma vie d'amour. Bah voilà, un million. Rien à rajouter. Bien, bah voilà pour les amis lions pour le mois d'octobre 2019 et je vous dis à très très vite sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye!